Bonjour, bienvenue au marché de Noël de la IEC 2022, un format XXL lié aux 30 ans. On essaye de prôner tout ce qui est artisanal et circuit court. C'est une entreprise assez familiale, l'ambiance est chaleureuse. On voulait mettre tout ça en avant au sein du marché de Noël. Donc cette année, nous avons 66 exposants au niveau du marché, avec de la diversité, donc de l'alimentation, des bijoux, des fleurs. On a essayé de répondre à l'ensemble des goûts de tous les salariés. Aviation sans frontières est une ONG. En fait, on vient en appui à d'autres ONG du type la Croix-Rouge, Action contre la faim, etc. quoi. On a agrandi l'espace restauration pour pouvoir mieux vous accueillir au niveau du repas du midi et le soir au niveau des after-work. Cynthia Maya n'avait plus de moyens de gagner leur vie. Donc nous avons décidé de faire du commerce équitable, de leur permettre de se remettre de cette catastrophe et de recommencer leur commerce. Le succès est là puisque tous les midis et tous les soirs, ça dure plus que prévu. On arrive jusqu'à 22h le soir et ça veut dire qu'il y a une certaine convivialité, il y a une certaine envie de venir partager des moments forts. Nous avons trouvé l'ambiance du marché de Noël exceptionnelle. C'est vrai que Airbus est une grande famille. On a plus de 2500 entrées par jour, donc un énorme succès. Merci beaucoup pour votre participation et nous tâcherons de continuer à l'avenir, d'essayer de faire toujours mieux pour vous. Merci.